Bonjour à tous, c'est Monsieur Montana. Bon, dans cette petite vidéo, je vais vous montrer rapidement les deux coffres du jour. Donc, comme d'hab, il y en a un qui est plus facile à trouver que l'autre, c'est celui qui est sur Terre. Donc voilà, quelques zooms et des zooms histoire de bien montrer l'endroit. Donc voilà, c'est à côté du port. Voilà, donc celui-là est franchement facile à trouver. Il est posé par terre dans une zone dégagée. Donc déjà, c'est beaucoup plus facile. Et il est juste à côté d'une espèce de grue rouge, une petite grue rouge. Donc voilà la petite grue rouge. Et le coffre est posé par terre, donc plutôt facile à trouver. Voilà, comme d'habitude, à la fin de la vidéo, vous avez deux screens en image fixe pour montrer les deux lieux où on peut trouver les coffres. Voilà, et le deuxième, donc il est en mer. Donc il est juste à côté de l'aéroport. Entre la grande île et la petite île. Voilà. Après, il est juste à côté, mais c'est pas le plus facile pour trouver le coffre parce qu'il y a pas mal de végétation. Donc en fait, il est pile poil là où je suis. Là où je suis, il est juste en dessous de moi, le coffre. Mais vu qu'il y a peu de profondeur, en plus, on a souvent tendance à remonter à la surface. Et il y a beaucoup de végétation, donc c'est pas aisé pour le trouver. Mais vous allez voir qu'il y a un moyen assez simple, finalement, de réussir à le trouver. En fait, il y a un rocher et il est juste à côté de ce rocher. Donc voilà, au début, on est donc dans l'eau. Vu qu'il y a peu de profondeur, on a souvent tendance à remonter à la surface. Ce qui n'est pas hyper pratique. Et en fait, vous allez trouver le rocher. Le voilà. Vous trouvez ce rocher-là. Vous trouvez quasiment le coffre en tournant en rond autour. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à laisser un commentaire, un like, vous abonner. Quoi qu'il en soit, merci à vous et bon game. Allez, salut.